ce soir, cette expérience, c'est... Beaucoup de monde aussi ce soir. Hein. Le Cap Ferré. La naissance de cette station du Cap Ferré. Avec Jean toujours. C'est vrai que c'est un sujet... Jean toujours à la manette. ...qui nous intéresse tous, tout particulièrement. D'accord. Alors, notre conférencier de ce soir, avec beaucoup d'humilité, me disait tout à l'heure, nous avons du monde grâce au temps. Je ne le crois pas du tout. Oh. Je crois que ce n'est pas grâce au temps, c'est grâce d'abord à la notoriété de notre conférencier, et puis grâce au sujet qui nous passionne. Alors merci pour votre présence, merci pour les ouvrages. Alors j'ai eu un peu de chance, je reconnais que j'ai eu, je crois, le numéro 1, version luxe, qui est sur mon bureau. Oui, je suis pistonné, on en a plus. Mais ce sont des ouvrages de grande qualité. Alors, c'est peut-être pour la numéro 2, je ne sais pas. J'ai peut-être que le 2. En tout cas, ce sont des ouvrages de grande qualité qui retracent avec beaucoup de fidélité et beaucoup de finesse l'histoire de notre presqu'île préférée, l'histoire du Cap Ferré. Je vous passe la parole.